Dans cette vidéo, nous allons étudier les applications affines, aussi connues sous le nom de fonctions affines. Pour comprendre une application if affine, il faut d'abord comprendre ce qu'est une application ou une fonction en mathématiques. En mathématiques, une fonction ou une application est une relation mathématique entre deux variables. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, peut-être que le nombre d'années d'éducation d'une personne permettrait de déterminer le salaire de cette personne. Et donc, par une application, à partir du nombre d'années d'éducation, on voudrait peut-être déterminer le salaire de la personne en question. Et donc, notre application pourrait dire que quelqu'un avec zéro année d'éducation aura un salaire de 85 000 francs CFA, tandis que quelqu'un avec 23 ans d'éducation aurait peut-être un salaire de 950 000 francs CFA. Donc, pour le nombre d'années d'éducation, ça associe un certain salaire. Un autre exemple... L'application pourrait lier le nombre d'heures de révision d'un élève à la note de l'élève à un examen. Et donc peut-être que l'application va dire que 15 heures de révision correspond à une note de 12, tandis que 60 heures de révision correspond à une note de 17 sur 20. De manière générale, une application relie une variable indépendante à une variable dépendante. Donc dans nos exemples précédents, la variable indépendante, c'était le nombre d'années d'éducation. Ou le nombre d'heures de révision et la variable dépendante dans l'exemple précédent c'était euh, le salaire de la personne ou bien la note à l'examen de manière générale la notation qu'on utilise pour la variable indépendante c'est un x et l'ensemble des valeurs que x peut prendre ça s'appelle le domaine tandis que de l'autre côté on a f de x et l'ensemble des valeurs que f de x peut prendre s'appelle le rang dans certains cas vous allez voir qu'on écrit f de x parce que c'est la fonction de x. Et dans certains cas, on utilise y pour représenter f de x. Donc f de x ou y, c'est la même chose. Donc de manière générale, quand on a une variable indépendante égale à 2, par exemple, et que la variable dépendante pendant ce temps est égale à 10, la variable correspondante est égale à 10, la notation mathématique, c'est d'écrire f comme ça, avec des parenthèses. On insère le 2 entre les parenthèses et on met le 10 de l'autre côté comme résultat. Et qu'est-ce que ça veut dire On lit f de 2 égale à 10. Et ça veut dire que quand j'applique 2 à ma fonction, j'obtiens une valeur de 10. Et dans cette notation, 2, ça s'appelle l'antécédent de 10, et 10 est l'image de 2. Donc 2 et 10 sont cette relation d'antécédent et d'image l'une vers l'autre. Alors généralement, on représente une fonction. Ou une application dans un tableau. Donc sur la première ligne, on a les valeurs de x et sur la deuxième, généralement, on a les valeurs de f de x correspondant au x en question. Donc dans cet exemple, x va représenter le nombre de questions faussées à un examen, tandis que f de x va représenter la note d'un élève sur 10. Donc par exemple, l'élève qui a fait 0 faute aura une note de 10 sur 20. Et donc, la façon de représenter ça mathématiquement, c'est de dire que f de 0 est égal à 10. Donc, 0 faute correspond à 10 sur 10. On peut faire un autre exemple. L'élève qui fait 3 fautes aura une note de 4 sur 10. Et donc, on écrit que f de 3 est égal à 4. Donc, de manière générale, x, on met le x à l'intérieur du f et le résultat f de x de l'autre côté. Donc ici, dans cet exemple, on va essayer de déterminer une fonction f de x plus généralisée qui nous permet de décrire le tableau en question sans avoir à recopier tout le tableau. Qu'est-ce que je veux dire par là Ici, on et peut ça. remarquer par exemple que l'élève qui fait 0 faute à 10 sur 10, l'élève qui fait 1 faute à 8 sur 10, et donc on lui soustrait 2 points, l'élève qui fait 2 fautes à 6 sur 10, et donc il a 4 points en moins, l'élève qui fait 3 fautes à moins 6, l'élève qui fait 4 fautes à moins 8 et l'élève qui fausse tout, il perd tous les 10 points. Donc en quelque sorte, on peut dire que notre fonction f de x est égale à 10. Donc on commence avec une note de 10 sur 10 si on ne fait aucune faute. Et pour chaque faute qu'on fait, on perd 2 points. Donc moins 2x. Pour chaque x, pour chaque faute, on perd moins 2. On a moins 2. Donc cette fonction f de x égale 10 moins 2x nous permet de décrire le tableau sans avoir à recopier tout un tableau et c'est pour ça que les fonctions sont très importantes elles nous permettent de représenter une relation entre deux variables d'une manière très condensée donc dans cet exemple ci si je remplace x par 0 par exemple j'obtiens f de 0 égale à 10 moins 2 fois 0 qui est égal à 10 et donc ça correspond bel et bien au tableau et peu importe la valeur de x que vous insérez ici ça va bel et bien correspondre au tableau en question. Donc voici ici la fonction f de x égale 10 moins 2x qu'on peut réécrire f de x égale moins 2x plus 10 en permutant nos termes. Donc on a ici une fonction de la forme ax plus b moins 2x plus 10. Et de manière générale, quand on a une variable x multipliée par un premier coefficient a et qu'on ajoute un deuxième coefficient b, ce genre de fonction, ça s'appelle des applications affines. Donc les applications affines sont un genre d'application particulier tel que f de x est égal à ax plus b où a et b sont des nombres réels. Donc dans notre exemple précédent, a était égal à moins 2 et b était égal à 10 et donc on avait obtenu cette application affine f de x égale moins 2x plus 10. Mais de manière générale, c'est f de x égale ax plus b. Donc, dans les vidéos pr prochaines, on va essayer d'apprendre comment reconnaître une application affine. On va essayer aussi de représenter, de déterminer ce que représentent les coefficients d'une application affine. Et enfin, on va apprendre à calculer les coefficients euh, de, de nos applications affines. Et dans cette notation, A ici, c'est le coefficient directeur de notre application affine, tandis que B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et on va explorer tout ce vocabulaire tout au long de ce chapitre sur les applications affines.